Christian Desbois, bonjour, vous êtes le patron des yachts de Lyon et vous êtes aussi le créateur de la navette qui relie Vaise à la Confluence. Alors avec plus d'un million de voyageurs depuis que ça existe, combien aujourd'hui? 1 400 000. 1 400 000, oui, 40% de plus que ce que je disais. C'est un vrai succès. Alors pourquoi pas utiliser cette navette plus encore et ne la limiter finalement qu'à une par jour? C'est-à-dire que si on veut la prendre, on ne sait absolument pas à quelle heure elle passe. Et si on la loupe de quelques minutes, on attend 1 h 30 avant d'avoir la suivante. Effectivement, c'est un problème qu'on se pose depuis 2012. Donc depuis 2012, on attend cette deuxième navette qui doit être faite par Unibail et peut-être par le Grand Lyon. Donc on travaille avec Roland Bernard qui est chargé du développement des activités fluviales aujourd'hui pour mettre cette deuxième navette qui pourrait peut-être être là à partir d'avril 2019. Alors question des bois, j'ai reçu à ce même micro il y a quelques semaines Fouzia Bouzerda, la patronne du Citral, qui gère les transports en commun sur l'agglomération lyonnaise. Alors, quand je lui ai parlé de la navette fluviale, elle m'a dit « Oh, c'est difficile, ça dépend des conditions météo et ça ne fonctionne pas plusieurs mois par an. » Qu'est-ce que vous lui répondez quand elle dit ça pour expliquer qu'elle ne veut pas développer les navettes fluviales ? Le problème existe depuis bien longtemps. Pourquoi la Citral ne rentre pas ? Moi, j'invite... J'invite le Citral à aller à Bordeaux et ça se passe plutôt très bien à Bordeaux. Aujourd'hui, on est sur une base à peu près de 600 à 700 passagers par jour. Effectivement, on ne peut pas aller à la Part-Dieu, mais sur une ligne comme par exemple l'île Barbe jusqu'au centre-ville de Lyon, ça peut être une idée quand même à vraiment à réfléchir. On a toujours dit que le bateau, il y avait des crues, il fallait mettre du temps pour s'amarrer. Bon, ça, je comprends pas où. D'abord, quand elle dit ça ne fonctionne pas plusieurs mois par an, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, ça fonctionne toute l'année. Effectivement, il y a des crues. C'est... Combien de jours par an On a une trentaine de jours au moins par an, peut-être 30 jours de crues. 30 jours pendant lesquels ça ne peut pas fonctionner. Voilà, tout le reste de l'année, 30, ça fonctionne. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Donc, en un an, nous a-t-elle dit aussi dans cette interview, la navette réussit à peine à transporter en un an autant qu'une seule ligne de bus en un jour. Oui, bah peut-être. Je ne connais pas les taux de fréquentation des bus. Moi, je vois que le bateau, on a toujours dit qu'à Lyon, ça ne fonctionnerait pas. Moi, je vois le bateau à 600, 700 personnes par jour. On est très, très content et très, très fiers d'avoir porté cette idée avec surtout Unibail Rodemco qui a amorcé la pompe avec ce joli bateau. Oui, mais enfin, si demain on veut que ça soit dans les réseaux de transport en commun, il ne faut pas se limiter à cette petite ligne qui est desservie toutes les heures ou toutes les heures et demie. Il faut qu'il y ait plusieurs lignes, plusieurs bateaux et qu'on puisse prendre de façon pratique le bateau si on veut, par exemple, aller de Bellecour jusqu'à la Cité Internationale. Il faut que... Il y en a tous les quarts d'heure. Évidemment, mais la question, je vous dis, elle se pose depuis très très longtemps. Et de toute façon, je suis persuadé, Gérard Angèle, que cette navette ou ces navettes vont fonctionner dans quelques temps. C'est qu'une question de temps. Autrefois, ça marchait. Autrefois, bien sûr, évidemment que ça marchait. On a une ville qui est vraiment appropriée pour ce genre de choses. Quelle est la ville aujourd'hui qui est la mieux appropriée? C'est pour moi, c'est Lyon. Et Paris. Et Paris, évidemment. Mais quand on sait que les bateaux mouches, évidemment, viennent de Lyon, puisque elles ont été créées en 1860 et quelques. Dans les chantiers de la mouche. Voilà, à côté des abattoirs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouches. Mais Lyon est vraiment une ville faite pour ce type de transport. Donc c'est qu'une question de temps. La Modre, c'est un éternel recommencement et je pense que le bateau reviendra d'ici un an, deux ans, trois ans. Mais ça me paraît... Vous allez vous battre pour les prochaines élections qui vont arriver en 2020 pour qu'il y ait un des candidats qui inscrivent ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde se bat, je ne comprends pas, parce que tout le monde est à fond avec le vapeur et tout. Tout le monde nous dit, mais pourquoi pas plus de navettes? Alors, je ne comprends pas où le problème existe, parce que vraiment, quand j'embarque des clients, tous les jours, les clients me disent « Mais pourquoi pas une deuxième navette ?» Et même les politiques, on entend régulièrement, ils me disent « Mais pourquoi une deuxième ? Il faut mettre une deuxième navette, il faut mettre une deuxième navette, une troisième, il faut que le Citral rentre. » Oui, j'entends ça depuis tellement longtemps. Parce que pour l'instant, si je viens sur la navette, mon ticket métro
mon ticket TCL ne fonctionne pas. Non, il ne fonctionne pas. Voilà. C'est un peu paradoxal parce que beaucoup de clients viennent avec leur ticket TCL sur le bateau. On a à peu près une quinzaine pour 2% de clients qui sont persuadés, mais vraiment persuadés, ayant vu dans les images du bus ou du métro le Vaporetto, et on pense que, enfin, les clients pensent que ça fait partie entièrement du Citral. Vous avez rencontré Fouzia Bouzerda pour essayer non, de pas, vendre pas, mais pourquoi non, vous ne prenez pas rendez-vous avec elle? Mais bientôt, on envisage donc de ça rencontrer fait avec... Ou oui, bien sûr, bien sûr. Place. On en a discuté il y a quelques jours avec M. Roland Bernard qui m'a proposé de rencontrer la présidente de la Citral. Vous viendrez nous voir quand vous l'aurez vue et vous nous direz ce qu'elle vous a dit. Avec grand plaisir. Et on espère qu'il y aura effectivement plus de bateaux sur la Saône, sur le Rhône, pour permettre de les utiliser sérieusement, tranquillement et régulièrement, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas actuellement. Christian Desbois, je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup.